Bonjour à tous les amis, c'est Triff, j'espère que vous êtes toutes et tous bien aujourd'hui. Pas mal de cartes à vous présenter, des cartes Lorcana du 7-3, puisque en effet les leaks eh bien, vont commencer à sortir vraiment en masse. Alors au moment où je vous tourne, en effet il doit manquer encore des leaks hein, de cette semaine, mais forcément je suis obligé de les tourner en avance. Il y en a beaucoup trop, et j'imagine pas les dernières semaines, voilà. Mais en tout cas, encore une fois, merci à toutes celles et ceux qui nous partagent justement les informations, hein, que ce soit de chez Ravensburger ou d'autres. Mais en vrai, c'est vrai que le côté surprise, c'est un peu dommage pour certains, ça je suis assez d'accord. Mais bon, ça fait plaisir aux yeux. La première carte va faire plaisir aux joueurs Acier, puisque c'est un lieu de chez Acier. On a notre deuxième lieu, les amis, notre deuxième lieu, le lieu d'exil de Maui, l'île cachée. Ce lieu acier ne va a priori pas donner de l'or. Alors voilà, a priori les lieux peuvent ne pas donner de l'or, et ça c'est intéressant, mais c'est la carte numéro 202. Ça veut dire que potentiellement il y a encore deux cartes lieux, à voir comment est-ce que ça sera organisé. Justement, est-ce que les lieux seront après les objets, les actions et les chansons, ou un peu mélangé. Alors, ce lieu-là, que va-t-il faire? Déjà, c'est un lieu ancrable à deux. On a déjà vu ça chez Améthyste. 5 de volonté. Voilà. Enfin, si vous avez vu la vidéo sur les premiers leaks, vous savez ce que j'en pense de ça. Un déplacement sur ce lieu. Voilà. Bon, pourquoi pas, hein, ça c'est pas très dérangeant. Pas de l'or, donc ça déjà, ça va être un peu mieux que le château de Madame Maléfique. Mais ce lieu a un effet. Isolé. Les personnages gagnent résistance plus 1 tant qu'ils sont sur ce lieu. C'est-à-dire que les dommages sont diminués de 1. Vous allez pouvoir donner résistance plus 1 à tous vos personnages. Mes amis. Sachant que je vous rappelle, il n'y a pas de limite de personnages sur un lieu. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein, voilà, hein, vous savez ce que j'en pense. Les lieux, pour moi, c'est beaucoup trop fort à l'heure actuelle. Et à voir s'il y a des cartes qui vont permettre de gérer les lieux, parce que tourner autour des lieux, ça, on a vu, hein, on a eu quelques cartes. En vrai, détruire des lieux, ce serait pas mal. Et en effet, moi, j'aimerais bien que les titans de Hercule arrivent pour détruire les lieux. Ce serait assez cool. Bon, en tout cas, rien à dire, mis à part que c'est une carte beaucoup trop forte. Merci Jérémy Adams, ou Adam, je sais pas de quel pays il est, de cet artoir, qu'il est magnifique. C'est une carte rare, mais pff, pour moi, elle est beaucoup trop forte. Elle est beaucoup trop forte. Nous avons aussi du Emerald. Du Emerald, nous avions eu Ursula la semaine dernière, et bien maintenant, nous avons les deux comparses, Flotsam et Jetsam. Alors, Flotsam et Jetsam, qui ont leur deuxième nom, qui sont boules puantes, c'est assez rigolo. Alors tout d'abord, Flotsam. Flotsam, 3 ancrable, 5 de force et 2 de volonté. C'est très fort, puisque des personnages qui coûtent 3 et 5 de force, on n'en a pas beaucoup. Heureusement, vous allez me dire, mais en vrai, c'est assez cool. Qui quête à 1. Et il a comme faculté sinistre duo. Vos personnages Jetsam gagnent plus 3 de force. 3 de force. Petit lore sur Ursula qui a besoin d'éclats de lore pour mener son plan à bien. Donc voilà, les méchants utilisent maintenant le lore pour eh bien, essayer de gagner le contrôle de Lorcana. C'est un dessin de Brian Kessinger, commune, et je pense qu'elle aura potentiellement des places. Hein, ce 5 de force au troisième tour pour gérer des lieux, Flotsam, ça peut être pas mal. Et sachant qu'elle va donner de la force à vos personnages Jetsam, donc qui pourraient être soit vert, soit violé. Alors maintenant, Jetsam, 3 ancrable, 2 de force et 2 de volonté, donc avec le plus 3, ça sera une 5-2. Dreamborn allié, tout comme son comparse Flotsam. Hors d'atteinte, je vous rappelle, hors d'atteinte, les personnages, les adversaires ne peuvent pas choisir ce personnage hormis pour un défi. Quête à 2. Il doit y avoir de puissants éclats de l'or ici, de très puissants. Sinistre duo, cette fois-ci, vos personnages Flotsam gagnent hors d'atteinte. Ce qui fait que avec un deck Flotsam Jetsam, je vous rappelle, hein, les autres donnent charge et insaisissable hein, mutuellement. Bon bah vous allez en plus de ça rajouter hors d'atteinte à l'un des deux. Hein, c'est voilà. Brian Kessinger, encore une fois, artiste vraiment bien. Hein, j'aime beaucoup l'œil, justement luminescent qui est respecté, ça c'est vraiment cool. Et voilà, encore une commune. L'une est numérotée à 72, l'autre à 76. Alors, est-ce qu'elles vont être séparées un peu à l'instar des nains ou autre chose? Ou est-ce qu'il y aura d'autres Flotsam et Jetsam?
C'est possible. Est-ce qu'on aura des Flotsam Jetsam Flutborn? Ça, ce serait cool. J'aimerais beaucoup. Et là, les amis, je dois vous parler d'un truc. Alors, je suis l'un des rares à gueuler sur ça. C'est sur un leak ambre, jaune ou orange pour certains. Sur une petite collection de cartes, où là, déjà, pour les collectionneurs comme moi, c'est une dinguerie, parce qu'il y aura, à cause de ça, pas 204 cartes, mais plus, qui sont les Dalmatiens, les petits Dalmatiens. Alors, je sais pas comment ils vont les traduire en français, Dalmatian Puppy. Alors, ces Dalmatiens, que font-ils? Bon, ils sont deux ancrables, deux de force, trois de volonté. Storyborn, Puppy, donc chiant. 4 à 1. Ok, c'est... Tout d'abord, ils volent votre cœur, puis ils volent votre chaise. Petit effet, enfin, petite citation que j'aime assez bien. De Capic. Capic, commune. Bon, très bien. Bon, que fait ce personnage? Vous pouvez avoir jusqu'à 99 copies de Dalmatian Puppy Tail Wagger dans votre deck. Donc cette carte-là, vous la voyez, hein? Vous allez pouvoir la jouer 99 fois. Alors c'est cool hein, pour le lore, l'histoire, des 100 dalmatiens, c'est cool. Hein, parce que je vous rappelle, il y a 99 chiots, plus Pongo et Perdita. Ce qui fait bien 101. Cependant, ça déjà au niveau deck build, en tant que joueur Yu-Gi-Oh, je sais ce que ça s'est produit. Hein, ne pas avoir de limite supérieure sur le nombre de decks. Hein, vous avez une limite inférieure, vous devez au moins avoir 64, mais vous n'avez pas un nombre maximum. Là, ça fait peur. Pourquoi? Parce que nous avons eu justement dans Yu-Gi-Oh une histoire où quelqu'un s'est ramené avec un deck grand comme ça. Allez mélanger ça. Hein? Donc moi déjà je suis pas très fan de ce genre d'effet. Et en plus de cela, donc ça c'était le joueur compétitif, ou joueur en tout cas, et le collectionneur n'est pas content et content en même temps, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul artwork. Et bah non, vous avez donc, ça c'est les cartes 4A, et vous allez avoir 4B, 4C, 4D, 4E, etc. etc. On sait pas combien il y en aura. Pour le moment on en a 5 de révélés. Mais on peut s'imaginer qu'il y en ait 99 artworks, donc ce qui veut dire que ceux qui se plaignaient d'avoir tout le temps des nains, eh ben ils auront peut-être que des dalmatiens. Et là par contre, on va parler autrement. Alors on parlait de dalmatiens, nous avons eu aussi 3 autres cartes qui ont été leakées en même temps, des cartes enfin, semi-leakées, que nous avions déjà vues, le Pongo Ambre, Moana, Ruby et le Picsou Saphir. Et ça y est les amis, ça y est, nous avons quelques informations supplémentaires. Alors on va commencer par Pongo, puisque j'ai parlé des Dalmatiens, donc on va parler de Pongo maintenant. Pongo, que fait-il? Il est 3 ancrables, 3 de force, et on ne sait pas sa volonté, très certainement une 2 ou une 3 de volonté. Storyborn Hero. C'est une super rare de Grace Tran, a priori, si j'arrive bien à déchiffrer le... floutage, hein. D'ailleurs les 3 sont de Grace Tran a priori, donc ça c'est une super rare. Une fois par tour, vous pouvez payer 2 d'encre pour éveiller la carte du dessus de votre deck. Si c'est une carte personnage, vous allez pouvoir la récupérer en main, sinon vous la placez en dessous de votre deck. C'est un peu à la star de Mufasa, sauf que Mufasa ça la laisse au dessus, là ça la mettre en dessous. Pongo, je suis pas sûr que ça soit faire hein, ce que tu fasses hein, mais bon. Pourquoi pas, écoutez, Pongo, hein, on en aura notre deuxième Pongo, moi j'attends Perdita surtout. Nous avons donc Moana aussi qui va être Flutborn, 5, ancrable, 4 de force, à voir ce que sera sa volonté. Flutborn donc, héros, princesse, capitaine, shift 3, donc alter 3, à voir. Pas de souvenir qu'on ait une petite Moana, on en a peut-être une, mais j'ai plus de souvenirs. C'est une carte rare qui dit que lorsque ce personnage part à l'aventure, tant qu'elle est dans un lieu, redressez tous les personnages de ce lieu. Mais ils ne pourront pas partir à l'aventure le reste de ce tour. Donc, en vrai, cette carte-là, pour bleu-rouge, mon bleu-rouge, ça va être très très fort. Puisque en vrai, c'est comme la Moana que nous avions en jaune, sauf que c'était que pour les princesses. Et là, bah, c'est une Moana rouge spécifique sur un de vos lieux. Et celle-là, franchement, elle est vraiment pas mal, je trouve, pour pouvoir justement frapper, fracasser, défier. Je sais pas quel terme que vous voulez utiliser, moi, j'aime bien frapper, ou fracasser, ou défier, ça dépend un peu de mon humeur. Mais elle, je la vois très bien jouer, tout comme Pongo. Hein. Pongo, avoir les decklists pour Pongo, Moana, je pense qu'elle sera obligatoire pour les decks Ruby. Pongo, avoir sur les decks Ambre. Et là, nous allons parler du Picsou que des gens attendaient. Le Picsou, le Scrooge McDuck. 5, non ancrable, 3 de force, 5 de volonté. Storyborn, héros qui étant à 1. On a toutes les informations de ce petit Picsou. C'est une super rare.
Il a deux effets. Deux effets, c'est cool. Premier effet, durant votre tour, ce personnage gagne évasif. Insaisissable. 3 de force, 5 de volonté, il coûte 5 et non ancrable. Pourquoi pas avoir sur les cartes qui seront jouées en insaisissable chez les adversaires. Ça pourra avoir son impact. Deuxième effet. Durant votre tour, lorsque ce personnage bannit un autre personnage via un défi, vous pouvez jouer un objet gratuitement. Et là, je me dis, ça y est, il nous en fait une Ariel qu'on attendait toutes et tous. Et là, c'est le drame. Krudge, forcément, moi, je voyais jouer autour des objets. Au niveau de, justement, toute la bande à Picsou, tout ça, qui recherche des trésors. Mais alors, jouer des objets gratuitement pour un 5 non ancrable, uniquement 3 de force, il doit bannir un personnage. Enfin, les conditions sont beaucoup trop compliquées. Malheureusement, Picsou, je pense que ce sera une carte de classeur. Et c'est dommage, on aurait toutes et tous voulu avoir un bon Picsou, là, les familles. En vrai, l'effet est sympa. Le problème, c'est que les stats ne vont pas avec. Et bon, à voir. Peut-être que je me trompe. Hein. Mais en tout cas, Picsou n'est pas là sans sa famille, puisque nous avions donc Donald, nous avons eu Daisy, mais nous avons Riri, Fifi et Loulou. Riri, Fifi et Loulou vont avoir des effets qui vont être assez intéressants. Alors, lequel je vais vous présenter en premier? On va présenter Loulou. Alors, Loulou, qui est Dreamborn allié, ils sont tous Dreamborn alliés, est une commune. J'ai augmenté la rareté au fur et à mesure, voilà. 4 ancrables, 3 de force, 4 de volonté. Le neveu chill, c'est cool, Loulou, voilà, relax. 2, non, peut-être à 2, c'est pas mal, commune. Et il a soutien, donner 3 de force, sachant qu'il y a 4 de volonté, c'est... Bon, après, je suis pas un joueur soutien, mais je pense que c'est pas mal, hein. Passons maintenant à Fifi. Fifi, celui qui a le pull bleu. Donc, le neveu qui montre, je sais pas vraiment, shall we know you. 3 ancrables, 2 de force, 3 de volonté, 4 à 2 lui aussi. Donc voilà, vous avez baissé 1 de cost, vous avez baissé 1 de force, 1 de volonté. Et la soutien. I got it. I knew I could do it. C'est pas mal. Maintenant, Riri. Et là, Riri, il va pas rigoler avec vous. Riri. 2 de force, 2 de volonté. Donc, au niveau des stats, c'est pas le meilleur. Il a soutien. Il quête à 1. Il coûte 2 et ancrable. Mais c'est une rare. Mais pourquoi c'est une rare comparé aux autres? Parce qu'il a un effet supplémentaire, les amis. C'est un effet supplémentaire. L'effet s'appelle 3 neveux. Lorsque ce personnage part à l'aventure, si vous avez des personnages Fifi et Loulou en jeu, vous pouvez piocher 3 cartes. 3 cartes, les amis. Bon, après, il vous faut Fifi et Loulou à côté, donc qui coûtent 3 et 4 respectivement, donc potentiellement un jaune-bleu pour piocher, ou bleu-gris. Mais le jaune-bleu, l'intérêt, c'est de pouvoir faire des... 0-1 héros potentiellement, après bleu-gris, bon voilà, un peu de gestion de board adverse et vous allez pas mal rampe, donc mettre dans votre réserve d'encre assez facilement, donc pouvoir jouer 3 cartes, voilà, qui coûtent en tout, en dosé pour tout 9, c'est possible, en vrai c'est possible. Bon, et là nous avons une annonce de Ravensburger, c'est faire plaisir aux collectionneurs, c'est que nous avons un Stitch Rockstar. Comment ça, Stitch Rockstar? Mais on l'a déjà, Triff. T'as fumé. Ouais, mais un Stitch Rockstar dessiné par Nicolas Cole. Nicolas Cole. Pas mal. Et là, nous avons donc une enchantée, les amis, du Stitch Rockstar. Comment ça, Triff, une enchantée de Stitch Rockstar? Nous avons raté un produit. Alors non. C'est tout simplement que, enfin, nous avons approximativement les périodes de sortie des tournois officiels Lorcana. Et pour les vainqueurs de ces petits tournois, eh bien, il y aura le Stitch Rockstar en enchanté. Et ça fait plaisir, c'est justement ça, ce genre de goodies qu'on aurait bien voulu justement dès le début pour la Ligue. Bon, la Ligue, malheureusement, voilà, on a d'autres cartes, mais c'est en vrai assez cool. Et franchement, ce Stitch Rockstar avec une guitare qui est en forme du logo de Ambre, Qu'est-ce que je l'aime. Et voilà, c'est ça une vraie Rockstar. Voilà, c'est... Bon, après, l'autre Stitch est très bien aussi. Mais franchement... Nicolas Cole, vous savez très bien que j'adore les artworks de Nicolas Cole. Hein. C'est un de mes dessinateurs préférés.
Et écoutez, bah moi ça me fait extrêmement plaisir. Avec cela, nous avons donc le playmat qui va avec, hein, avec le même graphisme, avec écrit a priori champion. Alors j'ai pas retrouvé l'artwork du playmat, donc bon, vous pouvez facilement le retrouver bien plus tard. Mais en vrai, ça fait extrêmement plaisir pour les compétiteurs. En tout cas, voilà les amis, c'était Trif. J'espère que ça vous aura intéressé ce petit set 3, que moi ça me donne un peu l'eau à la bouche. On se dit à une prochaine, prenez soin de vous, portez-vous bien. Et écoutez encore une fois, bonne année, bonne santé, hein, c'est encore le mois. On se dit à une prochaine, bye bye!